Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo avec cette fois-ci eh bien, une partie en mode multiplayer, un PVP sur Battleborn. Aujourd'hui, ça va être un mode incursion. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le mode incursion, mais je vais vous expliquer aussi mon personnage, puisque cette fois-ci, je vais jouer Orendi, un perso que j'aime beaucoup et qui est assez facile à jouer. Alors, le mode incursion, déjà, vous allez le voir. Bon, j'expliquerai pendant qu'on va jouer. Je vais plutôt expliquer le perso. Orendi, c'est un perso qui est plutôt, on va dire, assist dégâts, mais qui est magicien. Il a deux capacités. Alors, il a d'abord un talent, c'est de canceller la compétence 2, le recovery, le cooldown de la compétence 2 par la compétence 1. Je vais vous montrer ça pendant, voilà, ouais, pendant qu'on arrive sur le. Sur la map. Et il a également la possibilité d'augmenter les dégâts. Alors, attends, je regarde juste les. Alors, on a un Miko qui est support de l'autre côté. Wrath, Oscar, Mike, Montana et Izik. Ouais, ok. Alors, ouais, on a une team avec 3 level 100 en face de nous. Attention, Ça va être chaud, quoi. sbires Ça va être et chaud. triompher des sentinelles ennemies. Alors, donc, vous voyez que. Il a Protégez-vous. E et F hein, Vos comme sentinelles capacité, comme ennemies d'habitude. ont Les été deux, rendues les, tous les adversaires, vulnérables. tous les persos, pardon, tous les Battleborn ont deux capacités. La première, Détruisez des c'est cette enclaves vulnérables capacité, pour obtenir le des pilier, dégâts. qui, Utilisez quand je normalement vais le votre poser, force tactique sur le terrain. va tout simplement faire un pilier de dégâts. Voilà, pilier de dégâts. Remportez la victoire. Et je Détruisez la peux dernière sentinelle canceller ennemie. le cooldown de ce coup en appuyant sur E, la compétence annulation, qui s'appelle annulation. Vous voyez, j'ai Détruisez fait un tout saut en arrière. résistant. Avec des dégâts là 3, sur toutes les flammes qui 2, apparaissent. 1. Et donc ça me C'est permet eh bien parti. d'enchaîner pilier avec annulation et je gagne 10 secondes Détruisez sur le les ennemis cooldown de mon coup. immobilisés. Préparez-vous à la C'est quand même contre-attaque. super sympa. Plus Cette arme je est laisse déployée. mon F, donc mon pilier, plus je le laisse avant de le lancer, plus je gagne de la puissance sur ces dégâts. Et voilà, tout simplement, c'est Orendi, c'est un perso qui n'a pas de cancel et n'a pas de reload sur son coup. Donc vous voyez, je lance des coups, mais je peux lancer à l'infini en fait. Et ça, c'est quand même très très bien également. Et donc là, on est sur le mode incursion. Donc qu'est-ce que c'est le mode incursion? C'est un mode où vous voyez en haut, au milieu de la map, il y a deux barres d'énergie où on est à 100 pour l'instant, tous les deux. Et le but du jeu, ça va être de tuer les sentinelles ennemies sans que eux nous tuent. Donc on va essayer d'avancer avec les mobs, hein, puisque c'est un MOBA, hein, je vous le disais, Battleborn, c'est pas un FPS pur, c'est un MOBA. Et donc le but, voilà, ça va être de tuer les... Oh, allez, voilà, Montana, t'as pris... Nos sbires se Ah non, il préparent a à pas pris, attaquer. si, il a pris Montana. Amenez les Oh, le ennemis salaud. jusqu'à la sentinelle Donc voilà, ennemie il faut afin tuer de la récupérer sentinelle, son sang. il faut tuer la sentinelle en face, sans que les nôtres la tuent. Donc voilà, il y a deux sentinelles, vous voyez, il y a une sentinelle à quatre pattes sur la barre, et il y a la grosse sentinelle qui est la dernière. Avec Astoy Izik là. Voilà. Oh, il a bien mangé par contre Izik là, il a bien mangé mon pilar. Alors je fais annulation et vous voyez que maintenant j'ai mon pilier qui est de nouveau disponible. Et c'est quand même super sympa. Oula, Yaras, 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 Yaras. On se casse. Alors, voilà. Donc là, par exemple, j'ai plus de vie. Comment est-ce qu'on récupère de la vie dans ce jeu? Eh bien, il faut trouver un pilier. Il faut trouver un pilier où il faut dépenser de l'argent pour pouvoir se guérir. Alloué à cet endroit. Alors, attendez. Je vais récupérer de l'argent. Voilà. On récupère de l'argent, on récupère. Très bien. Oh là, il y a pas mal d'argent. Là, je vais pouvoir en récupérer. Nice. Ok. Hop là, voilà. Maintenant, j'ai bien assez d'argent. Il faut que je trouve, une tourelle qui permet de remplir la vie. Alors, c'est pas une tourelle comme ça. Ah, ça craint, bordel. Ça craint parce que Orendi, c'est un perso qui a pas beaucoup de vie. Donc, il faut faire gaffe. Oh, je trouve pas. Je ne trouve pas de tourelle. Tristesse, tristesse. Bon. Alors évidemment, je connais pas les cartes, hein. C'est les premières fois que je joue. Ça fait partie de mes premières games. Voilà, dégage petit mob. Ah voilà, j'ai récupéré de la vie, très bien. J'ai pas exactement vu comment. Alors, vous voyez, je vais laisser concentrer mon pilier. Là, je gagne de la puissance. Et je vais essayer de choper quelqu'un. Voilà. Et là, je fais annulation.
Oh, je... Ouais, c'est bon. Voilà, annulation qui permet de reculer et de faire des dégâts en même temps. Hop là. Donc là, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Allez, je relance mon pilier. Hop là. Bordélique. Alors évidemment, je vous le disais, ouais, des fois, c'est un peu le bordel. Voilà. Très bien. Alors vous voyez là, il y a la première, voilà, il y a la première tourelle qu'il faut tuer. Allez tiens, prends-toi ça, Montana. Alibi, Montana. Ah, cassez-vous les sbires, cassez-vous. Ils sont relous. Voilà, je vais peut-être éviter d'aller. Ah! Alors ça, vous voyez, ça, c'est des mercenaires qu'il faut aller tuer sur les camps. Alors, je me casse là. Je me casse parce qu'il y a. Il y a ce petit chacal. Hop là, voilà, il a pris mon pilier. Aïe. Alors, ouais, faut pas que je rentre en contact avec ces mecs-là, comme j'ai pas beaucoup d'énergie. Ça va craindre si je suis en contact. Allez tiens, Ras, là, voilà, mange-toi ça. Ah, c'est dommage, on avait bien commencé là et on est en train de se faire reboot assez violemment. Allez, dégage. Voilà, alors là, active l'annulation. Hop là. Ah, c'est vraiment relou. Ouah, je me fais péter. Ouais, il y a Montana qui était juste à côté de moi. Donc voilà, le but du jeu avec Orendi, c'est tout simplement de lancer le pilier, lancer annulation derrière. Ad vitam aeternam. Mais il faut qu'on aille baiser des mercenaires, nous aussi. C'est pas possible. Donc vous voyez que là, ils ont 81 de vie hein, sur la sentinelle, donc on est en train de gagner hein, pour l'instant. Mais il faut qu'on aille choper des mercenaires. Ils sont là, les mercenaires. Allez. Mercenaires asservis aperçus sur le terrain. Hop là, je fais annulation, comme ça voilà, il se prend des dégâts en plus. Je vais faire F. Nous affrontons un camp de mercenaires asservis. Voilà. Ah, je vais pouvoir la servir tout seul en fait, hein. Je pensais pas mais Oh là là. Allez. Parce que les mercenaires font vraiment la différence dans les fights. Hein. Elles font vraiment la différence. Donc là, voilà. Je l'ai tué. Mercenaires asservis ennemis en déplacement. Alors, je l'ai tué. Normalement, nous, on a des mercenaires maintenant. Voilà. Regardez, on est en train de capturer un point de mercenaires. Et ça va nous permettre de bourrer. Et voilà. Maintenant, il est avec nous. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Hop là, on va casser ça. Alors, je vais essayer de prendre... un deuxième mercenaire. Il n'y a personne, je peux le récupérer, non? Ah non, parce qu'ils ont déjà... D'accord, c'est l'ennemi qui a récupéré les mercenaires ici. Feyesh. Des mercenaires asservis. Oh là là, ça craint. Oh merde. Oh, je vais me faire baiser, c'est obligé. Ouais, voilà, c'est obligé. J'ai voulu faire le malin. Je me suis fait baiser. Alors, il y a 90 à 80, on est quand même en avance. Mais bon, je savais pas en fait que c'était réservé à eux là, il y avait pas moyen de revenir. Mais bon, c'est bien en fait, j'ai occupé 3 mecs
pendant que les autres étaient en train d'avancer, donc je suppose que j'ai bien géré pour ma team. Même si je suis mort, ça vaut mieux occuper 3 mecs, vu qu'on a des équipes de 5, hein, je vous le rappelle, dans le jeu. C'est pas beaucoup, hein, 5. Allez, il faut qu'on avance. Oula, oulala. Je me casse, puisque j'ai 197 de points de vie, je me suis fait déglinguer là. Voilà, ah il y a des tours de soins, hein, d'accord, c'est bon. Ah non, c'est pas des tours de soins ça. Ah c'est bon, on a une assiste. Ah mais cassez-vous! Je peux pas bouger. Voilà. Il est où le mercenaire? Il est là le mercenaire. Voilà. Allez, cassez-vous les creeps. L'ennemi vient de détruire une sentinelle alliée. Oh là 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 là, mais non, mais. Casse-toi, Montana! Alibi Montana! Nique tes morts! Voilà, je vais pouvoir soit choisir. Alors, on peut lancer le puits de feu, dégâts répétés aux ennemis à proximité. Ouais, on va prendre ça. Ok, allons-y. Putain, mais ils nous ont tellement dominé là, 50 à 80, on n'avance plus là. Il faut qu'on avance. Il faut détruire les creeps. Oh là 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 là, non mais... Je sais pas où ils sont les mecs avec moi là. Ah bah il y en a deux morts, il y a Thorn et moi. Mais non mais putain, ils sont où les mecs offensifs quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Montana, en tout cas, il fait tellement le taf, là. Bon, après, voilà, je vous le disais, hein, je crois qu'il y a un niveau 60 dans l'équipe adverse, c'est 3 niveaux 100, donc c'est la merde ultime. On est tellement mal. Alors, je vais activer mon matériel, puisqu'on peut activer du matos. Je vais choisir F. Hop, là. Voilà, donc là, je me suis alloué une défense avec de l'armure. Allez, là, on va bourrer. Oh merde, connard! Y'a Ras qui me poursuit. Il veut pas lâcher l'affaire. Mais ils sont où? Où sont les mecs avec moi, là? Je ne sais pas où sont les mecs avec moi, c'est triste. Non, je vais crever, bah oui, je vais crever. On se fait tellement péter là. Allez. Mais putain, par qui je me fais toucher? Je comprends pas. Oh là là, là notre tour. Ah non, elle est en train de se faire défoncer là. On se fait défoncer. Ah, c'est Oscar Mike qui m'a tué, d'accord. Ouais. Bon, moi je suis pas bon, mais les mecs ils sont. Ouais, je suis deuxième, mon gars, dans mon équipe. Ça montre à quel point ils sont nazes, quoi. Donc voilà, forcément, on a perdu. Voilà, on est arrivé à zéro. Voilà, forcément, quand t'es avec des mecs qui savent pas jouer, c'est un peu compliqué. Hein. Et pourtant, moi, c'est une de mes. Allez, je suis dans les 10 premières parties que j'ai fait en ligne, là. C'est un peu chaud quand même de jouer comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On se rattrapera la prochaine fois. 80-0, on a mangé cher quand même. Hein. On a mangé cher. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Allez, on se verra à la prochaine avec une autre vidéo de R&D, je pense, pour essayer de rattraper le coup, mais sur le mode conquête. Allez, salut tout le monde.